Ouais, amnistie. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont accosté dans la rue et qu'ils m'ont forcé la main, du coup j'ai donné 10 euros. Est-ce que tu donnes à des assos? Pourquoi tu poses des questions comme ça là, qui gênent, qui mettent mal à l'aise, qui... Pourquoi tu fais ça? C'est une question pas cool parce que du coup c'est qu'ils aiment pas. J'adore cette question. Une fois, je me suis fait alpaguer dans la rue par quelqu'un qui m'a parlé. Je t'avoue, je sais même plus pour quelle assaut. Il y a toujours ces gens dans les rues qui disent « Excusez-moi, t'as 2 minutes, s'il te plaît », et tout ça. Habituellement, moi, je trace ma route pour ça. Et là, je n'ai pas tracé ma route parce que le gars qui m'a arrêté, c'est un ancien youtubeur auquel j'étais abonné. C'était Ali Bouchenafa. Il y a une dizaine d'années, il était assez connu. C'était à l'époque Antoine Daniel, Mathieu Sommet, tout ça. À chaque fois, je me dis faudrait, et à chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, je me démerde pour fuir. En fait, moi, je sais pas dire non quand on sort du métro. Je ne sais pas dire non. Et avant, je disais, ah non, j'ai pas la majorité, désolé. Là, tout de suite, ça réglait le problème. J'ai trouvé la technique pour qu'ils arrêtent de t'emmerder. Tu dis, je suis déjà donateur. Ils disent, ah ouais? Je fais, ouais, je donne déjà 10 balles à... C'est quoi la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, je donne déjà 10 balles à la Croix-Rouge, pas moi. Oh super, vous êtes super, mais évidemment que je suis super. Et je me casse. Non, je ne donne pas régulièrement à des associations. Non. Non, non. 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 Non, non, y a rien qui me vient en tête. J'ai pas d'argent. J'ai pas assez d'argent. Mes moyens ne me le permettent plus parce que j'ai pas assez d'argent pour moi, donc... J'ai pas assez de sous à donner à d'autres, alors... C'est un peu compliqué pour moi au niveau financier, du coup j'ai jamais donné. J'ai déjà pas beaucoup d'argent pour mettre le plein dans ma bagnole, comme beaucoup de Français. Pour protéger mes finances, j'économise plus pour moi. Pour l'instant, on va dire que je dois un petit peu garder pour donner à d'autres associations de type prêt à rembourser. En tant que jeune et tout, c'est pas forcément évident. En tant qu'étudiante, c'est un peu compliqué, j'ai pas forcément les moyens. J'aimerais plus souvent, mais j'ai pas les moyens. S'il y avait un peu plus d'argent, oui, mais en ce moment, on évite. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai comme Bill Gates, je donnerai beaucoup d'argent. Je pense que si la question de l'argent n'était pas un problème, je donnerais. Mais après, c'est une mauvaise réponse parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent et qui donnent quand même. Du coup, je me sens piégée. Je considère égoïstement que j'ai pas assez de thunes pour l'instant pour aller aider les autres. Mais c'est égoïste parce que j'en ai clairement pour aller aider les autres. En vrai, j'y pense pas. J'ai jamais eu l'occasion. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je prends pas assez le temps de m'occuper de faire ça. J'ai jamais vraiment pris le temps de donner de manière directement, quoi. Mais je pourrais le faire, ouais. Bah, je sais pas pourquoi, enfin, c'est parce que j'ai jamais pris le temps de le faire parce que je suis un énorme flemmard de merde, quoi. J'y pense trop et je fais rien. C'est pas cool. Ouais, mais c'est de l'arnaque. Tu sais, là, les gens qui t'interpellent dans la rue. Ah, excuse-moi, t'as pas une minute, t'as pas un truc, ceci, cela. J'ai pas envie de donner à des associations où tu sais pas trop où ça va. Honnêtement, je suis pas du tout altruiste et je l'assume totalement. Je trouve ça, enfin, pas hors de ma portée parce qu'ils font tout pour qu'on soit intégré dans ça. Mais. C'est comme si ça me passait au-dessus de la tête. Non, mais j'ai déjà donné. Je l'ai fait à la Croix-Rouge, mais j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté de donner? Parce que j'ai changé de compte en banque. J'ai pas remis le mandat CEPA sur le nouveau compte. J'ai eu moins d'argent, donc j'ai arrêté de donner. Là maintenant, j'ai arrêté pour faute de moyens financiers, mais c'est une asso pour laquelle je redonnerai et je pense que je donnerai à d'autres associations si j'ai plus de moyens. Je donnais énormément d'argent à des assos et puis je n'avais plus assez pour me nourrir moi. J'ai arrêté de donner à toutes les assos, je ne donne plus rien à personne. Mes parents donnent, je crois, à Médecins Sans Frontières, si je dis pas de bêtises. Je donne pas d'argent, je donne mon temps. Je donne de mon temps et pas de mon argent. J'ai fait du bénévolat dans une association, mais j'ai jamais donné. À l'île Maurice, j'ai fait du bénévolat. Je suis bénévole pour une association, je fais du bénévolat. J'ai fait pas mal de bénévolat dans la banque alimentaire. J'ai donné de mon énergie à une association pour LGBT. J'ai été avec eux pendant un an à l'accueil. J'étais à la Fondation Brigitte Bardot en Eure-et-Loire. Délégué enquêteur pendant 11 ans. Je suis bénévole pour une association de retraités actifs puisque je continue à partir enseigner à l'étranger de cette façon-là. Et je suis aussi bénévole pour un restaurant solidaire donc, qui est dans le 20e. Voilà. Et j'étais aussi inscrite au Secours Populaire. J'ai déjà organisé une sorte de mini-festival avec deux scènes dans un bar où on a donné tous les bénéfices à une asso. La semaine dernière, j'ai fait un défilé caritatif pour l'association Les Petits Princes. Ben, on a des associations chez nous qui sont créées un peu. Nous, on est en train d'en créer une là, pour pouvoir faire profiter de la musique aux jeunes de chez nous qui n'ont pas accès à tout ça parce que c'est un peu cher et c'est un peu restreint.
Donc on est en train de créer une association pour ça. Ça me tenait à cœur de pouvoir passer à l'action et pas forcément que en donnant de l'argent, mais vraiment de mon temps et de mon énergie pour des gens qui en ont vraiment besoin. Après, par exemple, je donne beaucoup à Emmaüs des vêtements ou des objets ou des trucs, donc c'est pas vraiment de l'argent, mais ça compte comme un don selon moi. Je donne mes vêtements chez Emmaüs. T'es la banque alimentaire, je crois. Ils m'ont demandé, et vu que j'avais un petit peu d'argent en plus, j'ai pris un paquet de pâtes. Je donne toujours un peu de riz, un peu des pâtes ou des choses comme ça, des conserves, des choses qui coûtent pas trop cher pour moi, mais qui peuvent toujours aider. Par contre, je rince tous les SDF de Tower Bridge, genre vraiment, parce que j'habite là-bas, et je les connais tous, et je préfère... C'est peut-être un peu bizarre comme façon de penser, mais je trouve ça plus direct. Je donne pas mal quand même à des gens dans la rue, très souvent. Ou même si j'ai pas quoi donner, je fais des discussions, je parle, j'aide quand même un peu ce que je peux, mais voilà. Je fais l'arrondi en caisse. J'arrondis. Tu sais, quand ils nous demandent d'arrondir à la caisse, de 20 centimes, de 30 centimes, ça dépend. Au terminal de paiement, je valide juste pour arrondir, histoire d'avoir la bonne conscience. Je regarde Amixem, tu vois, Enfant du désert, je lui donne 2 balles, des fois 5 balles. On peut parler du Z-Event que j'aime beaucoup. Je l'ai fait pour le Z-Event. Je donne au Z-Event. Au Z-Event, je donne toujours au moins 50 euros par an. Du coup, en octobre 2021, ils ont récolté 10 millions, donc c'est quand même... pas mal, et je suis content de pouvoir dire que j'ai fait partie de ceux qui ont donné, je suis content. C'est rare mais ça arrive. Par exemple pendant le Covid, j'ai donné de l'argent à des assos pour, parce qu'aux États-Unis c'était pire qu'en France, etc. Une fois j'étais à Disney, j'ai volé un porte-clé, et je me suis senti coupable, du coup j'ai donné le prix du porte-clé au resto du cœur. Médecin du monde, 10 euros par mois. C'est pas grand chose mais, voilà, c'est ça, c'est une petite pierre à l'édifice. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands donateurs. Ouais, voilà. 3 et bientôt une 4e. Je donne depuis que j'ai un salaire, je me suis toujours dit ça. Et pour arrêter de fumer aussi, je me dis tout l'argent que je ne mets pas dans les clopes, je mets dans les assos. Du coup, je donne à Amnesty, Médecins Sans Frontières, AIDS pour le sida et UNICEF. Et ça me fait à peu près 50 euros de dons par mois, mais c'est 50 euros qui sont utilisés à bon escient. On a été nourris et habillés grâce au Secours Populaire pendant quelques années. J'en ai pas du tout souffert, je garde de très bons souvenirs de mon enfance. Mais voilà, donc du coup, c'est une association pour laquelle je donne. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Restos du Cœur. Je donne aux Restos du Cœur tous les mois. Et annuellement à une association qui s'appelle Soligalgos pour les lévriers d'Espagne. J'ai donné aussi pas mal à des associations pour la Ligue des Protections des Oiseaux. WWF, je crois, c'est ça, pour les animaux. Parce que j'aime beaucoup plus les animaux que les humains. Je vais également donner à une association qui s'appelle Enfants d'Asie. Amnesty International. Afro-gameuse. Il faut venir rejoindre et donner beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok, et elle fait quoi comme asso? C'est une asso qui promeut la présence, la visibilité des femmes noires dans le jeu vidéo. La Quadratonade, c'est une association qui lutte pour nos libertés individuelles, mais surtout sur l'aspect numérique. Là, je donne pour une petite asso, genre pour des personnes autistes. Je donne à une association qui se bat contre le cancer et une autre qui s'occupe de rechercher des dons d'organes pour ceux qui en ont besoin. Je donne à la recherche sur le sida depuis 30 ans peut-être maintenant. Actuellement, je donne à AIDS. Je donne à AIDS. La lutte contre le VIH et contre le sida. De temps en temps à AIDS et de temps en temps à... comment ça s'appelle celle-là? Elle est bleue et j'ai un trou de mémoire. UNICEF. Oui. J'avais trouvé ça juste logique. J'ai un salaire fixe, je suis fonctionnaire. Je donne à 6 associations. Je donne 65 euros par mois à des associations. Moi, je pense que c'est important de donner à des associations. Je pense qu'à partir du moment où tu as un salaire, où tu gagnes même juste le SMIC, tu peux lâcher 10 balles par mois pour une asso. C'est quelque chose qui est important parce qu'on est tous en train de tout le temps se plaindre, la société ça va pas, l'environnement, machin, tout ça. Mais on fait rien et c'est pas en faisant le tri que tu vas te donner bonne conscience. Si on le fait pas et qu'on fait l'autruche et qu'on refuse de voir les problèmes en se disant il y en a d'autres qui le feront ou on verra plus tard, au final, c'est comme ça qu'on court à la catastrophe. Déjà, faut savoir que les petits messieurs qui nous arrêtent dans la rue, moi je les écoute pour les assos et tout, parce que les pauvres, ils se prennent devant tout le temps.
Bref, il y en a un qui m'a arrêté, il m'a expliqué le projet de l'association, on a regardé, enfin je me suis renseignée et tout, et il m'a dit t'es prête à donner, et je dis bah ouais, après je peux pas donner beaucoup parce que je suis étudiante et j'ai pas un salaire qui suit, mais je donne tous les mois à cet asso, et pour moi c'est hyper important parce qu'on est dans des pays où on a beaucoup de droits, beaucoup de libertés, beaucoup de privilèges, et pouvoir en donner aux autres, bah je trouve ça très important et il faut le faire. C'est important d'aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens de vivre ou qui ont eu des problèmes par rapport à la gestion de crises humanitaires. Donc si on peut, avec ces moyens, aider les autres, bah, c'est quand même une belle preuve de solidarité à l'échelle de l'humanité. Les enjeux sociaux et écologiques, on ne peut pas faire juste en parler, rien faire. Donc oui, évidemment que je donne, c'est des trucs qui me portent à cœur. Et évidemment, tu donnes quoi, un petit peu, ce que tu peux. Est-ce que j'ai des préférés? Est-ce que j'ai fait du sexe?